Voici l'histoire de Pierre. Non, pas Pierre comme une pierre. Non, c'est l'histoire de Pierre, le petit garçon. Pierre, c'est son prénom. Pierre, elle a des yeux noirs. Pierre, elle a des lunettes. Pierre, elle a un nez, une bouche. Pierre, il a des cheveux noirs. Pierre, il a un doudou. Quand il était petit, Pierre n'aimait pas la soupe. La soupe, c'est fait avec des carottes et des oignons, mais aussi des courgettes et des potatoes et encore des poireaux. Mais Pierre ne voulait pas manger sa soupe, alors ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Allez, s'il te plaît, mange ta soupe. J'aime pas les légumes. Fais un effort, Pierre. Comme ça, tu vas voir tout ce qu'il faut. C'est quoi? Grandir? Être fort et être intelligent. Je veux pas! Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. Pierre, mon tachou! Non, c'est pas bon. Et déjà, j'aime pas les légumes. Allez, parti, c'est fort! Non, je veux pas. Ça, c'est sympa, bon. Ça faisait des histoires avec son grand-père. Non, je veux pas. Allez, Pierre. Je veux pas, c'est pas bon. Allez. De toute façon, j'aime pas les légumes. Ça faisait des histoires avec son père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Allez, s'il te plaît. Non, je veux pas. Allez, s'il te plaît, j'ai envie de la force pour enlever des trucs très lourds. Non, je veux pas. Je veux pas manger ta soupe. Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pires qu'avec le reste de la famille. Tu sais les enfants qui mangent pas leur soupe? Non. À minuit, quand la bidouine vient les voir dans leur chambre, ils ont tellement peur que le lendemain, ils avalent la soupière avec. La sorcière, elle va te manger. De toute façon, je crois pas à sorcière. Et ça n'existe pas. Alors là, son papa punit Pierre et lui dit d'aller dans sa chambre sans manger. Je tiens mes bouts de sorcière. Comment ça ressemble à une sorcière? Peut-être il est moche, peut-être il est beau.
Je crois pas en sorcière. Peut-être elle fait du magique. Peut-être il nage à vos triangles. Peut-être elle a un balai. Peut-être il a grogné. Peut-être il existe, peut-être il n'existe pas. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre. Oui, de vraiment bizarre. Cornebiteux et la sorcière cherchaient la maison de Pierre. Elle volait au-dessus des toits du quartier. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Et est-ce que c'est celle-là alors? Non, ce n'est pas encore celle-là. Et cette fois-ci, est-ce que c'est celle-là? Non, toujours pas. C'est pas encore celle-là. Oh, cette fois-ci, c'est bien celle-là, j'espère. Et non, toujours pas. Oh, je la trouve pas, cette maison. Ah, la voilà. Allons-y. Ça sent la soupe ici. Il y a quelqu'un qui mange pas sa soupe ici. Je veux aller voir à l'étage. Oh, ici à la toilette, ça pue ici. Trop mal aux oreilles. Je vais changer de pièce. Il y a trop de boue ici. Voilà. Peut-être il y a un petit garçon qui est ici qui mange pas sa soupe. Elle était laide. Elle ne sentait pas bon. Elle avait du poil au menton. Cornebiteuil était son nom. Alors, petit morveux, on veut pas manger sa soupe? Non, je veux pas. Et tu sais qu'est-ce que j'en fais? Soit un moustique de ton genre? Oui, papa, il me l'a dit. J'ai même pas peur, mais je m'en fiche. Vous sentez pas bon? Comment? Vous avez un gros bidon. Comment? Et le nez en tire-bouchon. Comment? Cornebiteuil était furieuse. Elle a tiré la couverture. Elle l'a mangée. Elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait le plafond de la chambre. Alors, musique à nous, n'as-tu que fait peur? Non, mais on sentait le gruyère. Comment? Et le vieux camembert. Comment? Et les chaussettes de mon père. Comment? Cornebiteuil est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir et elle a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger les tuiles. Alors, crampe de fourmi, est-ce que je te fais peur? Non, mais vous savez un grand derrière. Comment? Vous avez un langue de vipère. Comment? Vous avez un nez plein de vertes terres. Comment? Alors là, Cornebiteuil est devenu complètement cramoisi. Elle a continué de grandir. Elle est arrivée jusqu'aux nuages et slop, elle les a mangés comme de la barbe à papa. Puis, elle s'est penchée vers Pierre et elle a essayé de lui prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit: stop sorcière, pas mon doudou, c'est mon doudou préféré. Je l'aime trop celui-là. C'est pour fille, je te le donne pas. Et la sorcière, elle a répondu: tu fais moins de fier, hein? Eh bien, si tu ne manges pas ta soupe, je mange ton doudou. Mais sorcière, j'ai caché ma cuillère. Ah, mais où est-elle cette cuillère?
au fond de ma chaussette, mais j'arrive pas à l'attraper. Il faudra quelqu'un de vraiment très petit pour aller la chercher. De petit ? Non, non, oui, si, d'accord. Allons-y. Et Cornebidouille a commencé à rétrécir. Elle est rentrée dans la chaussette de Pierre. Voilà, Cornebidouille, j'ai ouvert cette cuillère. Et qui fait noir là-dedans. Mais je vois rien. Mais elle est où, cette cuillère? Elle doit être tout au fond, sorcière. C'est quoi, ce tremblement de terre? Un petit courant de terre. Bonne Cornebidou! Pierre se remit au lit. Et le lendemain... Pierre, mange sa soupe! Oui, je sais, pour chaque dîner, mes parents sont très fâchés. Et si je refuse la soupe, Pierre, ils me menacent d'une sorcière. Non, je veux pas! Non! Je veux pas manger ma soupe! Non, 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 je veux pas! Les légumes, ça me dégoûte, les bouillons, ça me déroule. Ça qu'elle a une tête de citrouille et s'appelle Cornebidouille.